Bonjour, dans cette vidéo, je te propose d'essayer de faire cette addition-là, 7 dixièmes plus 13 centièmes. Alors, mets la vidéo sur pause pour le faire de ton côté, et puis quand tu as réfléchi, on se retrouve pour voir ça ensemble. Alors, ça peut te sembler un peu intimidant au départ, puisque ici, on a des dixièmes, 7 dixièmes, qu'on doit additionner avec des centièmes. Ici, c'est 13 centièmes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour additionner un certain nombre de dixièmes et un certain nombre de centièmes? Voilà, c'est ça toute la question. Et en fait, l'idée fondamentale là-dedans, ça va être de réussir à exprimer 7 dixièmes comme un certain nombre de centièmes. Alors, pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça, on va commencer déjà par visualiser chacune des fractions qui sont là. Alors, pour ça, j'ai préparé des dessins. Donc, voilà, tu vois, ça, c'est un carré que je vais considérer comme une unité. Ce carré, je l'ai décomposé en 10 parties égales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc chaque bande ici représente un dixième de mon grand carré qui est là. Donc tu peux voir que là, j'ai colorié en orange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de ces parties, c'est-à-dire 7 dixièmes. Donc là, ce que j'ai représenté, c'est effectivement la fraction 7 dixièmes. Et puis à côté, voilà, j'ai représenté aussi la fraction 13 centièmes. Alors tu vois que là, j'ai décomposé mon grand carré, ce carré-là, le grand carré est exactement le même qu'ici. Mais cette fois-ci, je l'ai décomposé en 100 petits carreaux. Tu peux compter, il y a 10 colonnes et 10 lignes. Donc 100 petits carreaux identiques. Ce qui veut dire que chaque carreau représente un centième. Et tu peux voir que j'ai colorié en vert 13 de ces petits carreaux. Donc 13 centièmes, ce qui veut dire que ce dessin-là représente la fraction 13 centièmes. Donc l'addition qu'on doit faire finalement, c'est cette fraction-là plus celle-ci. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va essayer pour faire cette addition-là d'exprimer ces 7 dixièmes comme un certain nombre de centièmes. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien visuellement, ce qu'on peut faire, c'est découper ce carré ici qui avait été découpé déjà en dixièmes, le découper en centièmes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Tu vois que là, en fait, j'ai découpé horizontalement en 10 parties égales et j'obtiens une grille qui est exactement la même que celle-là, qui est une grille des centièmes. J'ai maintenant obtenu 100 petits carreaux et chaque petit carreau représente un centième exactement comme dans le dessin qui est ici. Alors maintenant, je vais tout simplement compter combien j'ai de centièmes. Alors ça va être assez facile, hein. J'en ai 10 ici, 10 là aussi, ça fait déjà 30, 30 centièmes. 40 centièmes, 50 centièmes, 60 centièmes et 70 centièmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a découpé chaque dixième en 10 parties égales. Donc on a multiplié le dénominateur par 10 et du coup, on a multiplié aussi le numérateur par 10. Et tu vois qu'on retrouve ce qu'on vient de dire. 10 fois 7, ça fait 70 et 10 fois 10, ça fait 100. Donc on obtient 70 centièmes. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que quand je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, eh bien, je ne change pas la valeur de la fraction. D'ailleurs, si tu veux, tu peux réfléchir de cette manière-là. En fait, ici, alors j'enlève cette barre-là, ce qu'on a fait, c'est multiplier la fraction 7 dixièmes par la fraction 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, ça fait 1. Donc, on a multiplié notre fraction par 1, ce qui ne change évidemment pas le résultat, puisque quand on multiplie un nombre par 1, eh bien, ça ne change pas le nombre. Voilà. En tout cas, ce qui se passe, c'est que du coup, nos 7 dixièmes, on les a écrits comme 70 centièmes. 70 centièmes. Et donc, notre opération, c'est 70 centièmes plus 13 centièmes. Plus 13 centièmes. Ici, les 70 centièmes, je les ai représentés ici, et les 13 centièmes sont représentés là. Et maintenant, c'est assez simple, puisque quand on a 70 quelque chose et qu'on ajoute 13 de ce même quelque chose, eh bien, ce qu'on va avoir en tout, c'est 70 plus 13 de ce quelque chose. Alors, 70 plus 13, ça fait 83. Donc, ici, le résultat, c'est 83 centièmes. 83 centièmes. Si j'ai été un peu trop vite, on peut l'écrire comme ça aussi. On a 70 centièmes plus 13 centièmes, ça nous fait donc 70 plus 13 centièmes. Je peux l'écrire comme ça.
Et du coup, on obtient 70 plus 13, ça fait 83 sur 100. 83 centièmes. Et donc ça, c'est notre résultat. Et si tu veux, tu peux très bien compter qu'effectivement, il y a ici 83 petits carrés qui sont coloriés en tout en orange ou en vert.